Bon, ben, voilà revenu à l'endroit où j'ai laissé la caméra début décembre. Ça fait un bon mois et demi qu'elle est là. Un mois et demi, c'est beaucoup. J'ai jamais laissé autant. En principe, c'est un passage qui filme bien, puisqu'on a vu que j'avais filmé la goutille là, juste à mes pieds. Et je serais déçu qu'il n'y ait rien, quoi. Bon, allez. Pendant que je fais mon speech, la goutille me passe dans mes pieds, au même endroit que l'autre fois, à 4 ou 5 mètres. Comme j'étais en selfie, en repassant sur l'autre caméra, j'ai coupé. Et il est resté un moment assis, j'avais au moins 30 secondes de film. Et puis, il est parti, sans pousser un cri, en trottinant dans la forêt. Bon, allez, on va à la caméra ce coup-là. Donc voilà la caméra, elle est à 50 du sol, hein. Et pas de buée, rien, elle a l'air propre, hein. Espérons que celle-là, ben, elle est étanche. Hein. Bon, la titine mérite un bon essuyage, parce qu'il y avait de la boue vraiment partout. Par contre, elle a l'air absolument nickel. Hein. On va le voir tout de suite. Oh, ça c'est super. Alors maintenant, avec tout ce qu'il a plu, je suis persuadé qu'elle est, elle est 100% étanche. Et un petit peu de buée, non, même, c'est de l'extérieur, en l'ouvrant, avec la différence de température. Bon, instant de vérité. vidéos, ce qui est pas mal. Putain, les cochons bois. Ouh, cochons bois dans mon dos. Il y avait toute une bande. Ils sont là, ils sont à 30 mètres. Oh, j'ai sauté du hamac. J'étais en train de les regarder à l'écran. J'étais en train de les regarder ici. Et les autres, ils sont en même temps dans mon dos. Oh, la peur. Là, ils sont passés là. Quand j'ai entendu du bruit, ils étaient à 5 mètres devant, derrière moi. Ils m'ont pas vu. C'est quand j'ai tourné la tête qu'ils se sont mis à gueuler. Ouh, aïe, aïe. Et là, je me suis fait peur. Hein. Au moment où j'entends ça, j'entends un cri, je dis, mais putain, j'ai une super stéréo. C'était les autres dans mon dos. Quand je me suis retourné comme ça, ils se sont mis à claquer des dents. Cac, 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 cac. Moi, j'ai sauté de hamac, cherché un arbre pour me percher. Et puis, du coup, ils sont partis. Ils n'étaient pas trop près. Il n'y avait pas les petits à côté de moi, donc ils sont partis. Mais punaise. Hein. Oh, oh. Pas les pâtirins, les cochons bois. Hein.
Il m'a attendu, il fout le camp. Bon, c'était le tamanoir géant. Un tamanoir, quoi. Et il m'a fait peur au début parce qu'il est passé comme les cochons, au même endroit, à 4-5 mètres. Il a fait craquer une branche. Et puis, je me suis retourné, je dis merde, les cochons qui reviennent. Et parce que là, je n'ai pas le temps de me lever, de m'accrocher à un arbre, trop près, quoi. Et puis, je vois un collier, une espèce de collier blanc en travers. Je me suis dit, hop, c'est un paquira. Et puis, quand j'ai commencé à filmer, je me suis rendu compte que c'était un grand tamanoir. Donc, on le voit sur deux plans, un peu sombre, parce que j'étais en 400 ISO, j'aurais dû monter en 800. Mais bon, sous le coup de l'émotion, on n'y pense pas. Et puis après il est parti et donc bon j'ai pas été derrière parce que c'est dangereux, faut pas leur courir après. Et s'il se retourne, voilà. Mais on va le voir là tout de suite sur la camp-park, sur la caméra piège. Là on le voit un peu mieux quand même. Voilà. Donc du coup je me suis retourné parce que la crique ben, c'est bien joli mais entre les cochons, la goutille ce matin et puis là le tamanoir, je me dis de ce côté c'est plus sympa. Et il me reste une paire d'heures à faire avant de rentrer. On va regarder ce que ça donne.